Le street art tour, on l'a inventé avec Amine, notre vice-président, en faisant le constat que quand on faisait des visites pour le patrimoine et pour la Casablanca, les gens nous posaient beaucoup de questions à Amine sur les façades. Et donc on a monté ça, street art tour à vélo, et on s'est rendu compte que les gens étaient très friands de ça, adoraient apprendre des histoires derrière chaque façade, parce que je connais chaque artiste et les histoires de chaque façade, donc c'est un peu ça la chose. Et puis découvrir Casablanca à vélo. Et les différents quartiers, en fonction des façades qu'on voit tous les jours, mais on ne sait pas ce qui s'est passé, pourquoi, quel artiste, quel est le message, c'est ça qui rend la chose intéressante. Et maintenant, on est à plus de. On a fait 74 street art tours maintenant, avec en moyenne entre 14 et 30 personnes. L'Institut français s'est associé avec l'association Alouane Blady pour ces street art tours à vélo. L'idée aussi, c'est de mettre en valeur les mobilités douces, le vélo. Ça paraît pas si évident à Casa, mais on peut faire du vélo à Casa et c'est plaisant. Donc c'était un des axes qui nous intéresse. Et puis le street art, c'est un art qui est accessible à tous. Donc ça a été aussi l'occasion avec Alouane Blady de mener plusieurs projets autour de ces street art tours et dont la création de fresques avec à chaque fois des créations en duo avec un ou une artiste marocain ou marocaine et un ou une artiste français ou française.